chargé des anciens combattants. Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué depuis l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place bien particulière dans notre mémoire collective. Car ces quatre années auront amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire. Un tournant marqué par la mort de millions d'hommes sur les champs de bataille. Un tournant aussi dans une multitude de domaines. Les relations internationales, l'économie, la vie politique et sociale, les arts même. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année prochaine marquera le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Ce centenaire sera l'occasion d'un hommage international à tous ces combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera ainsi placée au centre des commémorations. Dès la fin de la Grande Guerre, la date du 11 novembre s'imposa comme le symbole d'une France qui surmonte l'épreuve. Le 11 novembre 1923, André Maginot, pour la première fois, raviva la flamme sous l'Arc de Triomphe, instituant une tradition qui perdure encore aujourd'hui et dont nous célébrons cette année le 90e anniversaire. Dans les heures sombres de notre histoire, cette date devint aussi un moment de ralliement. Le 11 novembre 1940, les lycéens et étudiants parisiens se réunirent place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. 3 ans plus tard, le défilé d'Oyonnax dans l'Ain constitua un nouveau geste de défi face à l'oppresseur. Les résistants, en rang serré, déposèrent devant le monument aux morts de la ville une gerbe portant ces mots « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». À ces hommes et à travers eux à tous les résistants de France, le président de la République rend hommage à Oyonnax ce 11 novembre. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes, à celles et ceux qui continuent de porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité. Portez drapeau. Gerbe déposée par Mme Millard, présidente de la province Sud. Gerbe déposée par Mme Harley, maire de la commune de Farignon. Gerbe déposée par M. Hopp, commandant de la compagnie de brigade de la Foix.
Hier déposé par M. Tizio, président des anciens combattants de la foi et de sa région. Gerbe déposée par M. Cazovimoin, représentant le corps des sapeurs-pompiers de la foi. Gerbe déposée par Mme Nathalie Barbeau, troisième adjointe au maire de la commune de Farineau. Gerbe déposée par M. Turpin, qui représente les administrés de la commune de Farineau. Gerbe déposée par M. Bro au commissaire de la République. Et les gerbes déposées par deux petites filles de la commune de Farineau, qui représentent la jeunesse de la commune. Allez-y, messieurs les anciens combattants. Marino et ses enfants morts pour la France. Faustin Huette,
Mort pour la France. Franche-Paul Mariotti. Mort pour la France. Mort pour la France. René Boucher. Mort pour la France. Drapeau. Non, mais je veux dire, c'est vrai, s'il y a des petits...
vous soyez toujours avec nous, que tout le monde soit toujours avec nous pour célébrer cette cérémonie. Il y a un peu d'émotion parce que M. Le Hausser est là. Et c'est vrai que c'est la première fois. Donc, nous, en tout cas, à Farino, on tient à vraiment le remercier du fond du cœur parce que c'est un honneur pour cette petite commune. On sait à quel point, monsieur le commissaire, vous êtes occupé aujourd'hui. Il y a 33 communes qui sont situées autour. Vous avez choisi Farino ce matin. Donc, c'est ça qui est important. Hein. Donc, on vous remercie vraiment chaleureusement. Mes anciens combattants, moi, voilà, c'est mon dernier dépôt de verbe. Alors, mon dernier dépôt de verbe, c'est bon, je remercie vraiment le commissaire d'avoir été là pour ça. Je voulais vous remercier, messieurs les anciens combattants. Oui, après, j'ai fini de remercier. Là, c'est le début qui était un peu long, je les remercie. Je les remercie avant, mais leur dire, c'est pendant toutes ces années que j'ai passé avec eux. Ça fait 12 ans que je suis, 13 ans, c'est l'année prochaine que je suis maire. Toutes ces années que j'ai passées, j'ai essayé en tout cas. Maintenant, vous en dites le temps faire, je ne sais pas. Moi, j'ai essayé toujours de vous mettre à l'honneur, toujours d'être là pour vous, de vous inviter même à déjeuner après, à partager une chose d'amitié avec moi. Et je vous ai toujours remercié, j'ai toujours mis au devant de la tête. J'ai toujours trouvé que c'est important. Ces cérémonies-là, j'ai toujours dit que c'est important. Il faut que ça se fasse ici. Les enfants comprennent, les enfants savent. Célébrer le 25 septembre, alors qu'on ne se célébrait pas avant dans cette commune. Voilà, donc je veux dire, j'ai toujours été là. Bon, maintenant, il y a eu des hauts débats, il y a des cérémonies, je ne sais pas toujours, ça, vous voyez, alors. Ce qui est principal, c'est qu'on soit là, les pompiers, les gendarmes, l'État, la province sud, tout le monde, les habitants de Farino, et vous, monsieur les anciens combattants, les conseillers qui ont fait du grand travail dans cette commune, monsieur Turpin qui représente non seulement les habitants de Farino aujourd'hui, parce que je mets toujours mes habitants à l'honneur par un représentant, mais aussi qu'une personne handicapée. Salut pour son courage, parce que c'est important. Parce que des gens qui se donnent pour la commune et qui ont des difficultés, je trouve que c'est merveilleux. Et je remercie aujourd'hui. Et voilà, tous ces petits gens qui sont toujours là, mes vieilles là-bas, qui sont toujours là. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça le principal. Qu'on se souvienne et qu'on fasse en sorte que nos enfants gardent tout ça et qu'on continue. Je regrette que vous êtes moins en moins, c'est vrai. Hein, on a commencé avec des